Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est en mode réalisateur. Voilà, j'ai créé une petite une petite piste. Donc on va on va l'essayer avec tous mes véhicules, c'est-à-dire le brawler, la bâti, la mesa, la felzer, la adair, la voltique, la zentorno. Et le frogger, on essaiera parce qu'en fait il y a des tubes. Avec le frogger, on essaiera. On essaiera. Allez, vas-y, c'est parti. On commence avec le brawler. Viens, on va faire un backflip. Oh non, vas-y. Et j'ai vu un youtubeur, les gars. La dernière fois, je regardais une vidéo d'un youtubeur. Aussi en mode réalisateur, il avait créé une course, il la faisait. Je sais plus, je crois que c'était Wadi TM. Voilà. Bon, voilà quoi, je sponsorise pas du tout même, je le connais pas, j'ai juste rencontré sa vidéo, je suis juste tombé sur sa vidéo tout à l'heure. Bon, là on a des tubes. Et voilà, et sur sa vidéo, tout simplement, il a créé une course en mode réalisateur et ses réactions, il me tue. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas des véhicules custom comme moi là. Il a pris une panto comme ça dans la rue en mode réalisateur. Puis genre, en fait, parce qu'il n'y avait pas de voiture en mode histoire. Du coup, ce qui pose problème, c'est qu'en fait, sa piste, genre, elle prenait 3 ans, genre, sa vidéo. Puis il y a un moment, en fait, c'était plutôt dur, il disait, là on a un petit saut, et là faut pas sauter dessus, sinon on est dans la merde. Voilà, on a réussi. Et en fait, ses réactions, il me tuait, parce qu'en fait, en mode, avec la panto, quand tu retombes, si elle est avec panto no custom, quand tu retombes sur le... sur le dos de... le dos de... quand tu retombes sur le dos, le dos de la voiture, sur le toit de la voiture, oh là, je sais plus parler moi, putain, sur le dos de la voiture, et en fait ce qui va se passer, c'est qu'elle va exploser, même quand elle est custom, si elle est custom en fait, c'est parce que si elle est custom ou pas, sans blindage à 100%, si vous retombez sur le toit, vous allez exploser avec une panto, sauf que si vous utilisez le blindage, vous allez pas retomber, vous allez, comment dire, putain, je sais pas comment expliquer. Pimpolim. Attends, regarde, on va faire ça là, c'est vraiment Pimpolim, pas là. Ouais, bon, avec la bâtie, on peut pas faire le one ride, donc voilà. Et pourquoi tu me mets en plein, toi? Maintenant avec la Mesa, si vous vous demandez, c'est la Mesa, voilà, c'est celle-là, c'est la voiture de Meriwether, sauf que en fait c'est la Canis Mesa normale, sauf que là elle est transformée en celle du Meriwether. En fait, j'ai fini sur la mission où avec Dave, là où vous partez en fusillade, où Trevor il vient avec un snipe et tout, il y a des buzards, je l'ai eu là. Tout simplement, en me barrant, il y a un moment on devait se barrer, j'en ai pris une. Je suis arrivé à la fin, voilà, j'ai fini la mission. J'ai pris la voiture, je suis parti au Los Santos Custom, puis je l'ai stocké dans mon garage. Donc c'est aussi simple que ça. Après, regardez les suspensions là. Ouais. Moi j'aime bien ce véhicule pour sa puissance en tout terrain. Après vous verrez, on vous montrerai. Je crois qu'avec celui-là, on peut faire le wall ride. Par contre, la caméra première personne, j'aime pas. Je trouve que c'est trop carré, en fait. La Canis Mesa, elle est trop carrée. La Canis Mesa, comme ça. Elle est trop carrée, je trouve. Oh, ça fait bizarre. Ralenti. Oh mon Dieu, j'ai eu peur. Oh mon Dieu, j'ai eu peur. On n'a pas trop de difficultés pour l'instant. Merci la porte.
Alors ici, il faut faire attention. Oui, ici, ça drifte fort. Ici, ça passe. Et après, là, on a un saut parce que faut le faire parce que sinon, voilà, on est dans la merde. Bon, c'est pas grave. Moi, je peux faire ça. Bon, c'est un peu de la triche. Je devrais mettre un truc qui vous tue, quoi. C'est dommage. Après, voilà, quoi. Mais... voilà pour le canisme et ça. On part tout de suite avec la Felder. Alors je suis excité parce que juste après on a la ADR. On a ma Zentorno et tout qui attendent. Oh, viens, on va faire un front flip comme ça, là, backflip, un flair. Oh pied, 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 pied. Ouais, ici en fait, c'est si vous prenez mal les rampes, ça va drifter. Donc en fait, faut bien prendre en bas comme ça pour pas drifter. Après, c'est pas très facile, faut être plutôt bon conducteur. Si je puis dire, moi je suis plutôt je suis plutôt pas mal conducteur en casse-cou, quoi. Du coup, bah ouais, regardez ça. Moi je vous dis, regardez ça là, moi je vous dis, boum. Après, regarde. Regarde là, ce que je vais te faire, ça va être plus malade. Regarde bien, Bélo. Regarde bien, Tcho. Voilà, ça c'est un drift contrôlé. Non, attends, vas-y, moi je fais ça, gros, regarde. Brrrra. Hop là, je pars en drift. Je repars en drift. Je braque, je contre-braque, j'appelle, je décroche. Et hop. OKLM. Ouais, la classe. En vrai, c'était trop stylé ce que j'ai fait. Oh les gars, je suis trop content. On est maintenant avec la ADR. C'est parti. Allez. La ADR de base, voilà, ma ADR, elle était de base violette et blanche. Et les roues, c'était des super sportives. Après, j'aime bien ces... Je préfère ces roues-là, je trouve qu'elles sont mieux. C'est stylé, j'avoue, ils sont stylés comme ça. Et voilà, je l'ai mis en or. La teinte, j'ai mis en or pur. C'est en métaux or pur. Bon, c'est plutôt cher. Et en secondaire, j'ai mis argent. Donc voilà, j'ai mis ces jantes-là. C'est des jantes de customisées, je sais plus quoi. Et tout maxé. Enlève ta musique copyright à la con. On va juste faire un front flip, c'est tout. Après, ah voilà pourquoi je voulais pas trop faire de front flip. Après, ma ADR, elle est ultra puissante et elle est bien pour les wall rides, tout simplement. Parce que regardez, hop là, voilà, vous voyez, ça s'accroche. Ça, voilà, c'est un Jaguar le truc, il s'accroche partout. Regardez comment il est prêt au sol. Ah, tu vois, de derrière, on dirait pas, mais de côté, regardez. Regardez ça, le truc, il y a... Même un bébé, s'il peut pas passer en dessous, abuse pas. En fait, j'ai su tout simplement que la ADR était bien pour les wall rides, juste parce que j'ai vu une vidéo. Faut d'abord recommencer, ça fait plaise. Bon, en vrai, c'est bien, ça rallonge la vidéo. De toute façon, je peux faire plus de 15 minutes maintenant parce que je peux plus me soucier. Maintenant, faut que je me soucie si je peux me faire démonétiser et tout. Oh là, ah non, mais non, ah, da. La musique derrière. Wick. A36. C'est de la merde, frérot. Allez, avance la dernière. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce qu'elle me fait, elle? C'est une folie, le quoi? Regardez, ça s'accroche. Voilà, ça s'accroche. Oh, c'était beau, mec, c'était beau. En fait, quand plus dans GTA, plus vous allez vite, plus votre voiture est collée au sol. Donc là, quand je vais très vite avec la ADR, je vous jure, il y a des traces d'étincelles. Je vous jure, ça m'est arrivé. Mais putain, mais vas-y, mais chier, gros.
Vas-y, on va y aller en Zentorno, comme ça c'est parce que ma Zentorno il est hyper rapide. Donc on va aller jusqu'au point où on doit aller. Voilà, je sais pas si vous aimez ma Zentorno, mais moi j'aime bien. Alors or pur comme ça, avec du rouge en couleur secondaire. En jaune, j'ai mis cela. Ah, pa-da-pa-da-pa-da-pa-da. On aime le copyright. Voilà, j'ai mis cela. Maintenant, on va prendre la ADR. J'ai trop envie de le faire avec la ADR. Au pire, c'est quoi la ADR? On va faire le moyen le plus rapide. Fais pas chier, frère, c'est bon. Ça, c'est pas la classe! Mec, en vrai, c'est trop classe. Voilà, si vous demandez pourquoi j'ai la première personne, bah c'est tout simplement parce qu'en fait, voilà, je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, c'est les personnages principaux qui ont la première personne en mode réalisateur. Et là, en fait, pour tout vous dire, j'ai découvert dans une vidéo que la ADR était hyper bien pour les wallrides. Voilà, du coup, maintenant, je fais des trucs comme ça, Organ. Zik, zouk, et après, j'explose, tu vois. Merci la vidéo. Yes. Bon, maintenant, on part avec la Volchic. Volchic qui est plutôt rapide. C'est une super sportive électrique. Fais un front flip. Après, tu t'arrêtes. Voilà, tu t'arrêtes. Voilà, ça c'est beau. Un Volchic, pour moi, elle est très rapide. Alors j'espère qu'on va le faire. Par contre, pour le wall ride. Oh! En vrai, moi je suis plutôt bon conducteur en fait. Je suis pas claqué au sol. Je suis bon conducteur, si on peut dire. Je vais pas dire que je suis méga conducteur, genre comme là, ça ou quoi. Mais non, je vais juste dire que je suis bon conducteur. Bon, j'espère que la Volchic elle va faire le. Voilà, je savais la Volchic elle est pas faite pour le wall ride. Je savais déjà, je savais de base et je le fais quand même. Moi, à tête. Non, on va garder la Zentorno pour la fin. On va faire avec le Frogger pour l'instant. Si vous vous demandez pourquoi j'ai deux Frogger, c'est parce que j'ai Tipeee Industries, Tipeee Enterprise là. Celui-là, là. On va prendre celui de Trevor Phillips. Ça va plutôt être dur. Je dis pas que ça va être facile. Ok, on va juste d'abord se positionner et apprendre à conduire William. Je sais pas vraiment conduire un hélico. Alors on va essayer. On va essayer. Écoutez, on va essayer. On va essayer. Ok, plutôt tranquille pour l'instant. Voilà, 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 c'est ce que je redoutais en fait. C'est ce que je redoutais le plus. Que les ailes en fait, bah voilà, ils font la moitié du tube quoi, ils font le 3 sur 4 du tube. C'est ce que je redoutais le plus. C'est ce que je redoutais. Au pire, tu sais quoi, vas-y, Frogger mec, à la con là. Voilà, c'est bon, on est passé. Ok, bon, ça a complètement niqué mes trucs, du coup on a plus de stabilité, mais. Pas grave. Voilà, donc là on a du wall ride à faire. Wack. Wacky wax. Voilà, voilà mon frérot. Là s'il te plaît, il faut qu'on y réussisse. Vas-y, tu sais quoi, je veux la bourrine mode. Bourrine mode. Bourrine mode. Bourrine mode. Bourrine mode. Même si je vais exploser, bas les couilles, wesh. Par contre, je devrais avoir peur d'un truc. Attends, je vais me poser, je vais me poser, je vais me poser. Je devrais avoir peur d'un truc, c'est ici, là. Non, fais pas ça, l'hélico, putain. Putain, l'hélico, à la con, c'est pas grave, on finit à pied, gros. On finit à pied, voilà, on finit à pied. C'est un peu de la triche avec le super saut, mais mec, ça va durer 3 heures sinon. Et puis là, en plus, on est obligé d'utiliser le super. Passons! Même avec des.
Même quand je triche, j'arrive pas, wesh. À l'aide. Voilà. Et maintenant, on finit en beauté avec la Zentorno, qui est pour moi très rapide. C'est, je crois que c'est ma voiture la plus rapide de tous les temps. J'étais AFK 2 secondes, j'étais en train de me gratter. Moi là aussi. Attendez, je vais me gratter par contre. Je crois que je me suis fait piquer par des moustiques, ça me fait chier. Eh non 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 non, tu crois qu'on va y aller comme ça, du coup on va. Oh merde, je vois pourquoi. Je vois pourquoi. Regarde-le. Il regarde quand même quand tu te mets en troisième personne. Ouais. Oh là là, ça fait vraiment être de la course. Vas-y, tu sais quoi, en vrai, j'ai la flemme. J'ai la flemme. J'ai la FLM de le faire. Donc, on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est ça. C'est très simple. Hop. Et on monte des corps. Alors on va faire un point ici. Voilà. Sauvegarder. On va respawn ma Zentorno. Parce qu'elle a l'air, elle a abîmé. On dirait pas, mais t'inquiète, t'inquiète, elle a abîmé. Je crois que je la respawn. Bon, pour être sûr, on va la respawn encore une fois. Oh là là, mec, je me déteste, je me déteste. Attends, on peut prendre des éléments dimaniques sinon. Ah si, c'est bon, j'ai une idée, je sais quoi faire, t'inquiète. Le... Oh, épave barrière. Rampe, rampe, voilà, rampe, petite. Voilà. What? Ça c'est une robe. Tata! Copyright, copyright. Oh cher copyright. Je sais, je chante bien. Merci à tous ceux qui m'ont dit ça. Dites-moi dans les commentaires si je voulais
Je vais mettre un stropole en commentaire, hein, dans la description. Dites-moi, et juste, bah, c'est en fait un poll et choisissez quelque chose. Bon, je vais mettre des propositions, ok? Bah, je le ferai. Je le ferai après. Alors on va finir la piste rapidement. Bon, par contre je ferai peut-être plus de montage à l'avenir, parce que tout simplement en fait avec Shear Factory il y a un rendu, et en fait ce rendu il est hyper long. Du coup voilà, moi je vous dis, c'est la fin de cette vidéo. Bye bye.